Il y a quelques semaines, dans cette même émission, je m'interrogeais sur les motivations de la création du site jemontremabite.com, qui est bien un site où on peut regarder des zizi de toutes les tailles et de toutes les formes et les commenter. Ce qui est hyper constructif pour l'humanité, hein, vous serez d'accord avec moi. Et donc du coup, vu que je suis adulte et que je sais qu'on ne sauvera pas l'humanité, j'ai décidé de chercher sur le net tous les sites qui ne vont pas nous aider à sauver l'humanité. Parmi les commentaires de ma vidéo où je parlais de jemontremabite.com, un commentaire revenait souvent. Hey, « Eh, mais t'es allé sur « I rate my poop ».»« I rate my poop ».« Je note mon caca ». Je suis donc allé sur ce site. Et effectivement, c'est un site où vous pouvez photographier l'étron dont vous êtes le plus fier. Et les gens le notent. C'est un peu un dîner presque parfait, mais avec du caca, un caca presque parfait. Moi, j'adore la couleur, je lui ai mis un 6 sur 10. Par contre, il y avait un petit morceau de papier toilette à côté rose, ça cassait toute la déco, je lui ai mis un 2 sur 10. L'humanité n'est pas prête de s'en sortir. Voici un autre site qui ne sauvera définitivement pas l'humanité, www.pointerpointer.com. Un site où les photos pointent du doigt le pointeur de votre ordinateur. Ça ne sert à rien. J'ai passé énormément de temps dessus. Revenons un peu au mauvais goût avec l'application pour bien choisir son pansement. On se fait un bobo et on voit la plaie à l'appui et le pansement en train de mettre. Donc voilà, il y a des très belles images comme ça. Alors bon, il ne faut pas déjeuner avant de chercher le pansement. Hein, voilà. On continue dans le mauvais goût avec l'application Pierre Tombale, l'application qui permet de mettre vos amis en terre, hein, ou pour une soirée bonne blague, ou pour continuer à faire vivre une page Facebook d'un de vos amis morts. Voici moi, voilà. C'est disponible sur toutes les plateformes et ça fait hyper envie. Ensuite, on continue avec quelque chose de très glauque et avec lequel on ne sauvera sûrement pas l'humanité. C'est humanleather.co.uk, un site où on peut acheter des ceintures, des portefeuilles ou des chaussures fabriquées en cuir 100% humain. Comment ils le font, je ne sais pas. Je n'ai pas cherché plus loin que ça. C'est déjà bien assez glauque. Ensuite, il y a un site qui pourrait... Ah oui, la ceinture coûte 15 000 dollars. Faut aimer l'humain, quoi. Ou pas trop l'aimer, je sais pas. Enfin bon, bref, il y a un site qui pourrait sauver l'humanité, c'est TwinDog. TwinDog, c'est dispo sur votre smartphone, et TwinDog, c'est le Tinder de rencontres pour chiens. Alors, là où je dis où ça peut sauver l'humanité, c'est parce que le maître met sa photo aussi, d'accord? Donc en gros, tu montes ton chien, tu montes ta tête, toi aussi, t'as un chien, on peut se rencontrer, voilà. Ah, c'est vraiment le Tinder pour chiens. Sauf que on peut pas sauver l'humanité parce que ça ne marche pas. Parce que moi, j'ai inscrit mon chat et personne n'a matché avec mon chat. Alors d'accord, c'est un site pour chiens, mais je trouve que c'est bien des bâtards. C'est des antichamites. Antichamites. Ok, très bien. Non, mais je la garde pour moi. Cette dernière émission étant en direct, je me dis que tous ensemble, peut-être, aujourd'hui, on pourrait sauver l'humanité. Bon, d'abord, on pourrait peut-être faire un gros gangbang. Mais une fois qu'on aurait fini ce gangbang et que toute notre perversion serait partie, on pourrait faire une réu. Et vu qu'on est beaucoup, on pourrait trouver un moyen de sauver l'humanité, pas grâce au web, grâce à nous. Non? Ou alors, on recommencera un gangbang. Ouais, parce que on laisserait les humains mourir dans leur propre merde et on irait sur Internet pour la noter. Merci.